7-8, sous pression. Attention, t'as la pression. 8-8. Ah, mais oui, bien sûr. Ouais, d'accord, merci. Merci Max, sympa. T'as mis 8 points, c'est bon quand même. J'ai mis 8 points, mais. Puis des beaux points quoi. Tu m'as aidé. Pour ce soir, t'es comment là? Écoute, ça a volé, retour volé, ça a bloqué devant et terminé quoi. Exactement, en simple. Il me connaît tellement, Nono, et je le connais tellement, ça va être drôle. Vous allez jouer ensemble quand même? On va faire un set, tous deux, l'un contre l'autre. Ok. Puis après, on va faire les jeunes contre les vieux. Très bien. Ceux qui m'ont fait rêver en 91 et contre. Péniblement. Ceux qui ont gagné Wimbledon en 2007. Yes. Putain, j'ai fait un ace. Je te regarde différent. Elle était magnifique. Ouais. 7-8, extérieur. Qu'est-ce que tu me conseilles dans mon jeu en kit? Qui est en train de se déliter avec les années qui passent. Ouais, bon, on est pareil. Un homme d'expérience. Bon, prendre du plaisir, je pense, c'est ce qu'elle met, non? Ouais, c'est pas mal. C'est après, progresser. Effectivement, si tu entraînes tous les jours, t'as envie de progresser au classement, il faut jouer des tournois, mais essayer de prendre du plaisir, je pense que c'est ce qu'elle met, moi. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois que je reprends la raquette. Et j'y arrive plutôt pas mal, donc écoute. Je pense que ton meilleur coup, ça reste encore la volée, on est d'accord? Ouais. Deux, trois conseils pour une bonne volée, pour des bons repères pour... Déjà, c'est une question d'équilibre. La plupart du temps, je vois des fois dans les clubs, quand je passe, la plupart du temps, les joueurs, quand ils arrivent à la volée, ils ne savent pas où se placer, ils ne sont pas bien équilibrés, ils font des volées en reculant. Ouais. Il faut toujours essayer d'être un petit peu sur l'avant, de pouvoir changer de rotation, enfin, de mouvement jusqu'au dernier moment. Et toujours balancer la jambe opposée. Donc c'est quand on est de volée de revers, donc j'apprends comme ça, toujours balancer la jambe gauche devant pour pouvoir être équilibré. Et la plupart du temps, le pire c'est la volée de coup droit, où tu dois mettre ta volée de... Moi, qui suis gaucher, mettre ma jambe droite devant, il y en a certains, ils y vont comme ça. Ouais. Et là, tu n'as aucune tenue, tu pars sur la gauche. Hein. Quand tu es comme ça, a priori, tu as le corps toujours qui est à l'avant. Ici, tu peux être sur l'avant, sur le côté, et c'est là où tu arrives à tenir une volée, tu es stable. Alors après, il faut des bonnes jambes, machin. Mais déjà, mettre la bonne jambe devant, c'est la base du tennis. Et dès petit, tu montais au filet d'emblée ou quoi? Ouais, j'étais mes idoles, Guy Forget, Henri Lecomte, donc Edberg. Donc du coup, c'est vrai que ça laissait la mémoire quand même sur ma manière de jouer, quoi. Et j'avais envie de faire ça isolé. Je vois une cicatrice de mammouth là. Ouais. C'est passé quoi? Là, j'avais 16 ans et championnat de France cadet. Je suis tombé, volée de revers, je suis tombé comme ça, ma raquette s'est mise derrière, et clac, ça m'a cassé le bras. Je suis fait fracture ouverte, radius cubitus. Donc j'avais 16 ans, même au ralenti, ça passe pas quoi. Donc voilà, et puis donc j'ai fait 3 mois de plâtre, je suis parti en sport-études, j'ai fait la rééducation, et puis voilà quoi. Puis après c'est revenu, ça va que j'étais... J'étais patient. J'étais patient, puis j'étais gaucher sur ce droitier, ça aurait été compliqué de revenir. Merci Mika. Merci Max. Hasta pronto. À bientôt. Ouais.